Et bonjour YouTube, salut Nextax. Hello. J'espère que vous allez bien. C'est donc la suite de Planet Crafter avec ça y est, on construit la nouvelle base. On a le module pour les véhicules avec Nextox qui vient de poser l'entrepôt, en tout cas un début d'entrepôt. On va devoir aller transférer tous les coffres. Dans cette épisode, bon, on va continuer, on va plus s'axer sur la construction. Par rapport à là-bas, je vais mettre un extracteur de minerai ici. Maintenant que on a récupéré de l'iridium en passant là-bas. Je vais faire un extracteur de minerai juste ici. Pour pouvoir nous donner autant de minerai qu'on veut. Et peut-être que dans l'entrepôt, du coup, on va déjà pouvoir mettre des coffres pour chaque minerai. Je trouve assez bien. Donc, station de véhicule, c'est fait. Le GPS T2, on n'a pas encore fait. Les extracteurs, c'est en train d'être fait. Il y aura le biolab à placer aussi. Mais je vais utiliser l'osmium qu'on a encore pour l'extracteur de minerai devant chez nous. Le biolab, on fera ça plus tard. Pour le moment, il n'y a aucune urgence de toute façon. Et l'extracteur de minerai, ça participe au réchauffement de la planète aussi. Donc, ça, c'est cool. Alors, l'extracteur de minerai, j'avais noté. Il faut deux osmium. On va d'abord vérifier que je les ai par contre. Mais il me semble que quand tu en avais ramené 4. Ah, même plus. Ok, nice. Ah, bah, du coup, le biolab, tu pourras quand même le construire. Parce que le biolab demandera deux osmium. Donc, ça, on pourra le faire. Deux osmium, un super alliage. Oh, ça, je peux peut-être le construire moi-même avec tout ce que j'ai. Hop, super alliage. Ça c'est cool. Alors la barre d'iridium, pas pour le moment. Aluminium titane. Ok, je vais mettre plein de fer ici. Voilà. Et l'iridium. Ah, t'avais tout apporté? Tu m'avais dit? Non, non, mais j'ai enlevé parce que je devais aller prendre du fer Et il est où? dans le coffre. Ah oui? Ok. Ouais, je l'ai remis dans le coffre, du coup. On va Il pouvoir attend. faire ça. Alors, peut-être déplacer l'endroit d'où on lance les fusées, alors aussi, du coup. Enfin bref, il Bon, faudra. On verra. allons-y. Le coffre de la voiture. Ok. Je vais prendre tout ça. C'est le début des grands travaux. Barre d'iridium. C'est fait. Du coup, l'iridium, je remets tout là. Alu, titane. J'ai tout ce qu'il faut, je pense. Ah non, l'osmium, je l'ai pas pris. Alors, je vais essayer de mettre l'extracteur de minerai Nextox à côté. Je vais essayer de le coller un peu à la base, non? Côté véhicule. Attends. Là, on va peut-être mettre deux stations de véhicules, tu vois. Ou une, c'est suffisante? Une, c'est suffisant, je pense. Ouais. Une Franchement, j'ai suffisante, j'ai pas besoin. réfléchi. Ouais. Ici, il y aura la. La tour. Ouais. La tour. Peut-être plus derrière le rocher là-bas? Pas sûr qu'on aille jusque-là, tu vois. Oh, que si. Enfin, que si, je sais pas. Mais ce qu'il faut. Ah, ici. Ok, donc je les colle Ici, pas à la quoi. base. Le but, c'est pas de les coller. C'est de se dire, tiens, on est dans notre base, on a vite besoin de fer ou d'un truc. Et on sort et on va les chercher. Ou alors là. Oui, mais si la base va grandir. Après, tu peux les coller maintenant, hein, mais. Bah, la partie habitable Peux les de la mettre de l'autre base, côté, là. ça va partir vers l'ouest. Toutes les salles. Les biodômes et compagnie, Ça ça va dépend, il y en partir a vers le vers nord, l'est. vers l'est. Ok. Non, t'auras plein de choses. Ici, t'auras des choses. Ici, t'auras des choses. Donc, c'est pour ça que Bah, je dis là-bas, on va rien mettre. Mais tu peux le mettre ici pour l'instant. Ou alors là. De toute façon, ça peut se bouger.
Je mets ça ici, sur la roche ici. Ou pas? Oui, vas-y. Ok. Oui. J'ai... Ah oui, alors sur la roche, pas construire. Alors, on va en mettre un ici. J'espère qu'au niveau oxygène... Ouais, au niveau électricité, ça va. Et ici, voilà, ouais, c'est marqué fer. Mais donc, on aura un peu de tout. À quel rythme? Il faudra voir. Je vais mettre à l'entrée de l'entrepôt un bloc, un truc d'eau et de nourriture. Mais je vais mettre même un petit coffre. Je vais aller chercher du fer, du coup, je vais aller prendre dans les. Pas encore dans les réserves, peut-être qu'on va en avoir ici. Parce que l'eau et la nourriture en général, c'est quelque chose dont on a assez vite besoin. On va voir ça. Ce coffret là sert plus à rien. Partie glace. Oh, une nourriture. Ah oui, j'ai mis tout ce qui était là ici. Hop. Sauf que le fer, faudra en trouver dans le coin, mais... Je me demande si je mettrais pas un deuxième... Ouais, je sais que je passe du coq à l'âne, mais un deuxième extracteur de minerai ici. Parce que, vu qu'on construit... Je vais juste aller voir dans la tour de contrôle si on a assez en termes d'électricité. Et je vais peut-être mettre un deuxième extracteur de minerai à côté... Ah, mais non. Au niveau osmium, j'aurais pas. Assez. On est à 14% de terraformation. Des graines. Ouais, ça. Ça peut disparaître, ça. Ok. Et nourriture. J'ai pris tout ça. Ah, avec une entrée ici aussi. Jour, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis de toute manière, au pire, hein, on prend la voiture. Et on va chercher et remplir avec des minerais. Je vais aller faire ça après. Oh. Nourriture. Remplir quoi? Le coffre de minerais divers. Tu vois? Qu'est-ce que tu utilises beaucoup là, le fer? Oui. Ok. Et que je trouve peu aux alentours, oui, le fer. Ok. Bah, je vais faire un coffre avec du fer. Je commence à construire dans l'entrepôt au niveau coffre, hein, ok. Ok. Ah, je devrais. De toute façon, j'ai vidé le coffre du fer. Là. Ouais. Ah, mais alors... t'en as besoin pour faire des coffres? Non, non, mais en fait... Alors, je vais attends, juste mettre un petit coffre à l'entrée de la maison. Je vais noter Asgard, c'est juste parce que je okay. dois me décharger vite fait. J'ai vidé le silicium. Bah, tu peux regarder dans le coffre Asgard, j'ai mis un petit peu... j'ai mis plein de trucs. Fais-toi plaisir. De toute façon, j'ai déjà détruit pratiquement le dernier étage. Des... Ok. Oui. J'ai déjà commencé à détruire des trucs hein, de l'autre côté. Le coffre ici est vide. Non, le coffre n'est pas vide. L'oxygène, je vais laisser. Ça, je peux manger. Le lirma, je mets là-bas. Et l'iridium...
Iridium, idéalement, il faudrait que je refasse déjà le coffre, mais on va travailler pour le moment sur deux endroits. De toute manière, c'est le meilleur moment pour construire parce qu'actuellement, on attend juste que la planète elle se réchauffe. Donc. Et si tu veux que j'aille chercher des. Non, non, je vais y aller, t'inquiète. Non, non, des. Le truc bleu là. L'osmium. Pour le moment, on en a encore. Tu as de quoi faire le biolab actuellement. Ok. Regarde un petit peu à quelle vitesse ça se remplit. Ok, on a que deux minerais. Hein. C'est long. J'ai oublié qu'il en faut deux pour si on trouve une grotte, quoi. Ouais. Alors, je prends le véhicule. C'est parti. Je sais pas si. Partir par là. Une aventure. Hein. Alors ici je vois déjà quelques minerais. Dont du fer. Ah, j'aurais pu me faire la puce d'extraction plus rapide. Augmenter la vitesse? Non. Non, c'est vrai que j'ai pas regardé, tiens, je vais. Mais après, en même temps, on a tellement besoin de ressources. Regarde un petit peu ce qu'il faut pour augmenter tout ça, au niveau des puces. Ouais, je regardais. Mais honnêtement, c'est pas la priorité. Par rapport à ce qu'on est en train de faire. Bon là, la recherche de fer, ça m'a l'air pas mal. Il y a encore beaucoup d'eau, non, pas énormément. Que là, ça passe ou pas. Je vais peut-être m'arrêter ici, ceci dit. Il y a plein de choses. T1, équipement increase, super alliage, silicone et iridium. Ça va. Encore. Le T2, c'est obsidienne. Ouais, donc, mais... Par exemple, l'équipement. La ouais. Vitesse, il faut la zéolite. Ah. Oui, la zéolite, on n'a pas encore trouvé ça. À moins que tu m'aies menti. Tout ça, il va falloir attendre un peu. Oui, après l'équipement, super alliage, ça se fait facilement. Ça va encore, tu vois. Ça, je vais peut-être le faire en rentrant du coup, augmenter l'équipement. Okay. Vitesse, il y avait quoi d'autre? Attends, je vais regarder. Vitesse, équipement, je pense qu'il y avait d'autres choses. Équipement, il y avait inventaire aussi. Mais vitesse, c'est quoi la différence light. Entre... Ah oui, lumière, ouais, bon. Ouais. Oxygène. Hein? Ça veut dire quoi? Oxygène quand t'es dans le véhicule. Ah, et ça fait comment? Deux capsules d'oxygène et quatre zéolites. Ah merde. Et pour la balise, donc beacon, ouais. Sur le. Pour le truc, retrouver. C'est, ouais. Ouais, c'est pas énorme. Généralement, tu fais un truc rare, mais sinon, c'est des trucs normaux ou quoi à côté. Ouais. Par exemple, la vitesse T2, c'est le truc un peu plus spécial. Bah, c'est il faut deux. Vitesse T1, donc ça va. Et par contre, une explosif. Une poudre explosive, quoi. Ok. Mon moteur à combustion, quoi. Alors, du fer encore ici. Dès qu'on trouve ce genre de truc, ça va aller. Oui. Ok, j'ai rempli le coffre de fer. J'ai la moitié de mon inventaire qui est plein de fer sur moi. Celui-là, je vais le garder parce que je vais commencer à mettre des coffres.
Donc je rentre. Ouais, je vais quand même encore ramasser du fer ici. C'est pour ça que les météorites qui arrivent sur nos bases, elles sont vraiment les bienvenues. Hop. Fer. 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 Je vais rentrer là, parce que l'oxygène, c'est pas fou. Même si je pourrais consommer une bouteille, mais on va éviter. C'est peut-être là que les puces d'extraction pourraient être utiles pour extraire plus vite. Faudrait que je vois comment ça se fait. Ah, ça passe bien les côtes, hein. Ça passe bien les côtes. La base qui est en train d'être démontée et reconstruite ailleurs. Où il y a ça, un petit lac ici. Attends. Oui, ça tombe, on est en train de reconstruire. Non, non, il n'y aura pas de lac ici. Là où on est, mais... où ça? Là, un peu plus loin, mais c'est une petite flaque, tu vois, dans un petit creux. Ok, je suis rentré. Très bon. De toute façon, si là, dis-toi qu'on a un canyon juste à côté, qu'on a une grosse pente juste à côté, tu vois. On est vraiment sur une montée, on est vraiment sur un très haut, quoi, tu vois. Ok. Le coffre est plein de fer. Ah, ok, merci. Le coffre est plein de fer. Et ici, moi, je vais commencer moi-même à mettre des casiers de stockage. Pour le moment, je sais pas comment tu perçois l'entrepôt. Pour le moment, je vais remplir l'entrepôt de coffres. Donc ne prévois pas de repartir au niveau couloir, etc. quoi. Okay. Et laisse même les espaces autour accessibles au cas où on devrait l'agrandir plus tard, ce qui sera très certainement le cas. Ok. C'est pour ça que tu construis à l'étage, j'imagine, ce sera peut-être plus simple. Bah, l'étage c'était surtout pouvoir mettre le tunnel d'abord. Bah, le tunnel de pont. C'est tellement plus simple. Moyen de mieux faire. Bon, celle-là n'est pas bien placée. On va faire ça comme ça, du coup. Hop. Et puis on va faire ça là. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on va mettre dedans, on verra bien. Mais au moins, tout mon fer est utilisé pour ça. Je vais aller chercher de l'eau. Et puis on va s'occuper de... Enfin, je vais vider l'extracteur de minerai. Ah, tu l'as déjà vidé, un peu. Oui. Ok, je me disais aussi, il y a des minerais qui ont disparu, mais... C'est normal. Je vais commencer à le vider ici. Ça va rester important de le vider, alors on pourra automatiser tout ça plus tard. Ah, monsieur. C'est le camion de construction. Tu t'en vas. Monsieur s'en va. Non, je regardais juste si ça passait. J'espère qu'il n'y aura pas des plus gros véhicules. Ah, je sais pas. Ouais. Alors ? Et là, ça passe. Incroyable. C'est nickel. Oh.
Alors, titane. Hop. Cobalt. Hop. Fer. Voilà. Nickel. Je vais tout prendre ici. J'ai juste laissé ça là. Super alliage, je vais mettre ça là. Avec deux ailes, pardon. Aïe, aïe, aïe. Hop, fer. Aluminium. Cobalt, c'est là. Titane. Le magnésium ici. Et le silicium. Ok. Quelque chose qui ressemble à quelque chose. Du coup, la puce, augmentation de l'équipement T1. C'est un super alliage, silicium et iridium. On y va. Silicium, iridium et super alliage. On va aller crafter ça. Hop, super alliage. Alors. C'était iridium hein, et pas uranium. Hein. Oui. Un silicium. Ah bah, c'est vide. Du coup, pour faire le super alliage, ah, peut-être qu'il y en a encore un ici. Non, il est de l'autre côté. Je vais en faire un ici, moi-même. En allant chercher du coup. Ouais, de toute façon, je vais tout prendre là. Magnésium, cobalt, titane, silicium. On va aller chercher ça dehors. Pour augmenter le coffre de la voiture. Si moi j'ai l'impression qu'il y a des coffres qui pop. Non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Mais il y en a un que j'observe toujours depuis la tour et je me dis ça tombe, on l'a déjà vidé. Eh ben pas du tout. On a un coffre avec du bioplastique devant chez nous. Enfin, un truc où tu te dis mais jamais tu laisses ça dans la nature. Ok, bah je reviendrai prendre ça. Je vais juste m'occuper pour le moment de ça. Je dois juste reprendre un silicium en plus. Et ce coffre-là, on n'a pas été à... Mais c'est peut-être la glace qui a fondu. Peut-être qu'il fait pas encore assez chaud, je sais pas. Ouais, peut-être la glace, ouais. Super alliage, c'est Du bon. coup, t'as besoin de que je fasse quoi là pour l'instant? Le biolab et Biolab? biodôme. Essaye d'organiser cette zone-là, tu vois. Et puis bah va falloir faire la tour de contrôle. Et tout Bien, bah ouais. transférer, quoi. Donc ici t'as le chemin pour la voiture, et ici pour les piétons. Putain. Incroyable. La question c'est, on monte par où? Parce que toi et les échelles, je me méfie. Monte par où? Ouais. Dehors. Pour l'instant, j'ai pas mis d'échelle justement T'inquiète, pour me t'inquiète. faire. Voilà. Il y a rien pour l'instant. Ah, c'est l'inauguration, c'est ça? Ouais, voilà, entrez, allez-y. Voilà, il y a rien pour l'instant. Pas mal. Ok. Alors, on va regarder l'équipement avant-après. Donc. Ah, il y a du silicium aussi maintenant.
Mais c'est dedans. moi, je l'ai rajouté. Attends, mais J'ai vidé pour je prendre vais le le. prendre. Donc actuellement, on a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 30 places. Si je mets augmentation de l'équipement. Mais où se met la puce? Oh! Hein? Oh! On peut rappeler un véhicule. En fait, c'est ce que j'ai Ah. fait. J'ai cliqué sur le truc, ok. Ah, mais du coup, il se met Il a de l'autre augmenté côté. là? Non, mais alors où on met la puce? Ça, c'est une bonne question. Ouvrez le moteur. Ouvrez. Non? C'est que tu mets Ah, la puce ouvrir et... V ici. Regarde. Ah ouais, mets la puce? Ah, c'est augmente l'emplacement Ah. d'équipement, pas l'inventaire. Ah oui. Mais oui. C'est pour ça que quand t'as dit équipement inventaire, je me suis dit, mais L'inventaire. pourquoi est-ce qu'il me répète le truc au fait? Ah, et pour Ah augmenter mais on peut même l'inventaire. pas faire l'inventaire parce qu'on est en T1. Et là c'est le T2. Ok. On n'a pas l'inventaire. Oh non. Ah ouais, L'inventaire ok. on l'a mais c'est T2 et il faut un T1 pour... D'accord. Bon, c'est pas grave. De toute manière, l'inventaire tel qu'il est là, par rapport au nôtre, c'est déjà pas mal. Ce que je vais commencer à bouger aussi, Nextox, c'est ça, je vais le faire dans cette vidéo aussi. C'est. Allez. L'atelier pour construire. Que je vais mettre assez proche de l'entrepôt. Pour le coup, pas en hauteur, le même étage, que ça soit facilement accessible, parce que je pense qu'on va vite en avoir marre de faire l'aller-retour. Hop, donc je vais aller déconstruire ça. Et alors prochaine vidéo, on s'occupera de transférer la zone de nourriture. La tour de contrôle, je te laisserai faire. Et alors, il faudra mettre une pièce avec tous les chauffages. Ça pourrait être cool. Oh non, magnésium, je vais attendre. Je vais en prendre un où dans lequel il n'y a pas beaucoup de choses. Super alliage, ça je peux prendre. Cobalt, je peux prendre. Titane, pas encore. Silicium, je peux déconstruire. Le quartz, plus tard. Divers, plus tard. Et puis faire aussi une petite pièce style bureau. Parce que l'air de rien, bah, on a quand même des décorations à mettre et tout. Bon, c'est pas Ok. urgent. Mais c'est pas urgent, mais voilà, en tout cas. Ce qu'on peut imaginer. Je déconstruis l'établi. Non. Et est-ce que j'ai déconstruit l'autre aussi? Ouais. Comme ça, on ne s'embête plus. T'avais fait une armoire pour l'osmium. Bah, ça sera parfait. Voilà. Je pense que je vais pas trop me casser la tête. L'établi, je vais le mettre là. C'est juste à côté de l'entrepôt. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. L'établi avancé. Faut vraiment même le mettre dans le. Ah non, c'est pas droit. Voilà. Et à côté, je vais mettre le petit établi T2. Le mettre ici.
Voilà. Comme ça, on aura tout à portée de coffre, on va dire. J'ai repris quoi, moi? Du fer, j'en ai tout plein. Ouais, mais glace et osmium. Alors, l'osmium, on va mettre ça là. Et la glace, même si je pense que ça nécessite pas un aussi gros coffre, on va quand même le faire, on changera. Hop, osmium. Et je vais rajouter d'autres coffres avec le fer que j'ai. Ça a de la gueule, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et le fer, du coup, j'en rajoute là. Eh bien, ça faisait quelques vidéos que je me disais, je me demande la gueule qu'aura notre nouvelle base. Je voulais quelque chose de plus logique. Enfin, de plus adapté en tout cas à notre évolution, parce que ce qu'on a fait était logique pour le début. Et là, je trouve qu'on a quelque chose de pas trop mal. Et en plus, avec ce pont, c'est vraiment chouette. Et Nexoc, c'est en train de nous faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, évidemment. Il est en train de nous faire un de ces trucs. Évidemment, entre l'Asgari et Nexchester, la collaboration est intense pour terraformer cette planète. C'est Il disait? important. Non, mais Nexchester, donc c'est la compagnie créée par Nextox. Voilà, et l'Asgari, c'est l'Asgari, quoi. Il n'y a pas de concurrence entre les deux entités Bah non. vu qu'on s'entend bien. Concurrence, quand Mmh. J'adore. J'adore, je kiffe et je surkiffe. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Qu'est-ce qu'il fait? Il faudra voir ça de nuit, au fait. Non, mais c'est bien parce qu'en plus on a la. On a l'escalier qui mène là. Faudra penser à mettre une échelle depuis en dessous de la base pour y accéder aussi. Mais ça sera à toi de voir. Mais je pensais la mettre près de l'entrée, ouais. Ok. Maintenant. Non, à l'intérieur, c'est mieux. C'est mieux, je Ouais. pense. Ou alors je bouge mon coffre. Ouais. Ouais, bouge ton coffre. Ah, nickel. Eh bien, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Il faudra transférer la cuisine, tout transférer de l'autre base. Il faudra s'occuper de la partie biologique après. La tour de contrôle. Et puis dès qu'on aura fini cette partie construction, eh bien on pourra repartir dans l'exploration et la terraformation de la planète, même si là, bon, ça avance, mais je trouve que vraiment notre base, elle a vraiment de la gueule, là. Vraiment, et on commence à avoir des minerais un peu plus facilement. Même si il va toujours falloir faire des allers-retours, il faudra aller revoir du côté de la grotte. Avec l'iridium aussi, hein. Je pense qu'il y a pas mal de minerais qui ont dû tomber. Par contre, je me demande toujours comment on va aller en rover en dessous. Hein. On va pas faire tout le tour, ça va être super long. Je pense qu'on continuera à aller à pied. Ou Tu fais n'importe quoi. alors on saute avec le rover, on revient à pied et on rapatrie le rover avec la touche. On peut. On peut faire ça aussi. Bon allez, merci Nexox, merci tout le monde. C'était un plaisir. Vivement à la suite. Ciao les amis!
De Joe.